à toutes et à tous, c'est Pyrux. Aujourd'hui on se retrouve donc Tyrannosif et tout ça, je pourrais, c'est bon. Je consacre mon Tisma. Écoutez, on va commencer avec le trio de le trio choc. Le trio choc, c'est-à-dire que Junko, est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose? Junko, bah, même si les gigas sont sus, ça peut faire des dégâts. Ça fait ses dégâts. Allez, let's go. On prend le trio de choc. Let's go. J'espère que ça va être fun. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Donc, je reprends les solos. C'est vrai que ça fait un petit moment, donc il faut juste que je me remette dans le bain. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires des Pokémon, dites-moi-en, des fois ça peut me faire envie. Et du coup j'utilise et après je fais une team autour de ce Pokémon, autour des 2-3 Pokémon que vous avez énoncés. Il y a moyen de faire des choses intéressantes. Là je me suis dit, on va essayer de trouver un trio cool en plante au feu. Et je l'ai trouvé avec des Pokémon qui peuvent vraiment être bons. Donc là on a donc un Tyrannosif. Est-ce qu'il joue spécial? On ne sait pas. Du coup on va par défaut faire feu follet. Au pire, il pourrait pas me... me faire au pire. Voilà. Soit il a la Véprime, il reste et il a la Véprime, donc il se dit voilà, on s'en bat les ch'tecs. Soit. Ok, lame d'or, très bien. Donc là, il va pas faire trop de dégâts. Maintenant, enfin pas trop de dégâts. Ça va. Quand même un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on vole switch? Parce que de toute manière. Donc j'étais plus rapide que lui quand même. Donc je peux pas me permettre de switch. Bah écoute. Je m'en rappelle plus les Pokémon qu'il avait derrière, mais il avait... Il peut pas se permettre de mettre Léviator contre Fury Rocket. De toute façon, bon ok, c'est la méga, très bien. Puis... Mais non, mais il peut rien faire là. Il peut rien faire. Même s'il prend pas beaucoup parce qu'il a la défense spéciale qui est pointée d'un 1,5 ou d'une fois 2, je sais plus. Ça reste des dégâts, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'il me fasse? Poursuite. Ah, il pensait que j'allais switch. Mais non, je reste.
Je reste, mais y a pas de soucis. Non, franchement, y a pas de soucis. Je vais essayer de, quand même de garder pas mal de PV, ça serait cool. Je sais pas si en méga évoluant, Tyranocif gagne de la vitesse ou pas. C'est un truc que... Enfin, c'est une méga aussi qui est intéressante, qu'on pourrait une fois tester. Parce que franchement, elle peut être démoniaque, hein. S'il est placé, ça peut faire du bobo, mais sévère. Écoutez, on va continuer. Pour l'instant, mon Motisma, il a les lunettes où il faut. Et on tue. Voilà, c'est très bien, parce que je suis plus ou moins midlife. S'il y a des Pokémon physiques, comme Léviator, il peut pas se le permettre de mettre. Parce que d'une part, j'ai Feu Follet, donc il va pas mettre Léviator s'il l'a pris. De toute façon, il peut pas mettre Léviator parce que s'il a pris le méga Tyranocif, c'est qu'il a pas pris méga Léviator. À moins qu'il joue Léviator simple, mais bon. Normalement, tu joues au moins 2 méga pour histoire de faire genre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simple. On va d'abord balance. Parce qu'il a beaucoup de PV. Hein. Le Togekiss, normalement. Alors si je fais balance. Ouais, on va faire balance. Voilà, au pire des cas, il m'attaque avant, donc c'est très bien. Il fait des dégâts. D'accord. Bon, c'est plutôt pas cool, hein. C'est plutôt pas cool. Il va la jouer comme ça. Il faut faire gaffe parce que derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai Arcanin qui a une attaque électrique. Ouais, mais ça devrait le faire. Alors j'ai plus de batterie déjà. Ah, il fait l'âme d'air. Plus il m'enlève de PV, mieux c'est, hein. Parce que du coup, la balance fera plus d'effet. Ok. Ok. Il commence quand même à bien faire. Il commence quand même à bien faire. Alors, Togekiss, tu vas te détendre. S'il te plaît, détends-toi. Il sait que si ça passe, il va ramasser. Vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Passe, passe. Très bien, le balance qui fait ses petits effets qui font plaisir même. Qui font très très plaisir. Et maintenant, pour faire de gros dégâts, je pense que ça sera intéressant de mettre, donc, à moins qu'il soit Scar. Hein. Écoutez. De toute façon, vu qu'il est plus rapide que moi, du moment que je passe avec Change Éclair, je lui fais des dégâts, donc c'est bon. Lui, il reste là-dessus, parce que bon, il est teubé. Y'a pas... Putain, il fait mal quand même. Hein. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Il me axe. Il veut me axer. Y'a pas de soucis. Moi je suis là, je suis gentil et de bonne humeur. Tu vas pas commencer. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, j'ai pas vu s'il avait des restes et tout ça, comme ça. Non, il a pas, je crois qu'il est Scarf. Il veut me axer jusqu'au bout. T'sais. C'est un peu chiant. Mais bon. Écoutez. Il me reste 2 PV. Ok, bah il aurait réussi. Il a pas encore loupé l'âme d'air, hein. Il peut le louper. Donc on va rester, on sait jamais s'il loupe. Vas-y, loupe. Allez, loupe, tu mérites, là, j'en ai marre. Voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. C'est la justice. La justice est toujours faite. La justice est toujours faite. Donc là, je pense qu'il escarfe le petit bonhomme. Du coup, on va mettre Arcanin. Arcanin qui possède la sauveste, hein, qui est intéressant. Parce que du coup, il a l'intimidation et la sauveste. Et il a du coup une bonne attaque, donc je l'ai investi en attaque offensivement. Du coup, ben, ses défenses sont pas trop, dénudées, hein, si on veut. C'est-à-dire que intimidation permet que la défense physique augmente, si vous voulez. Vu que... Ah, mon foiré. Il doit avoir pris Ectoplasma. Ouais. Il a pris... Très bien, il a pris Ectoplasma, il n'y a pas de souci. Ça, je pouvais pas savoir, hein, je pouvais anticiper, mais bon. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai la sauveste. Donc là, il va pas me faire beaucoup de dégâts. Maintenant... Il voulait jouer au vilain. Ok, très bien. Très très bien. Mais ça ne marche pas avec moi. Donc là le problème c'est qu'il résiste. Alors là maintenant je sais qu'il veut faire hypnose. Hypnose et dévorev sûrement, hein, c'est un style du genre. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Le truc c'est que ça sert à rien parce que... Oh non, ça c'est chiant ça par contre. Ça c'est chiant parce que quand j'en ai besoin sur le Scarf. Qui est derrière. Bah, à mon avis, il est Scarf. Oui, il est Scarf. J'ai pas le lunette de choix. J'ai pas le lunette de choix, le con. Donc il continue. Bon, j'aurais aimé qu'il. Là, il touche à la limite. Bon, peut-être là, il va attaquer du coup.
Bon, oh, peut-être qu'il a peur. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi il devrait avoir peur. Donc là, je me sacrifie, c'est pas grave. J'ai juste pas envie. Alors, éclat magique, d'accord. Mais là, je peux perdre, hein. Là, je peux perdre. Hein. Il fait hypnose, dévore rêve, je perds. Enfin, genre, hypnose, dévore rêve, après, il refait hypnose, dévore rêve, je suis mort. Là, j'ai pris juste que... Donc là, je vais pas mettre gars évoluer. Parce que il a éclat magique. Ouais, là c'est un peu compliqué. Ah, je suis plus rapide. Du coup, il est plus rapide. Je savais pas qu'il était plus rapide que Ectoplasma. Et à un moment, j'ai gagné parce que Togekiss va vouloir faire l'Amber. Moi, je switch sur le petit Arcané. Hein, le petit Arcané qui possède donc la vitesse extrême. Et du coup, je peux le terminer tout bien. 2-0, clean. Le match, je l'avais en poche. J'ai plus ou moins su ce qu'il allait prendre, en tout cas comme Pokémon. Même si j'attendais plus à Léviator, même si bon, Léviator face à Pharamp et Motisma, ça risquait d'être un petit peu. Ouh là là, il faut quand même un petit peu. Hein. C'est possible qu'il soit Lunatchoir, hein, j'aimerais bien savoir. Mais bon, on va pas jouer au foufou. J'aurais bien aimé savoir, hein, parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts. J'ai la surveste. Hein. Mais bon. Parfait, on termine le match, très bien. Merci pour ta participation, très cher adversaire, ce fut un plaisir. Depuis ce cas... Bon, allez, trêve de... Je suis obligé parce que Locpin me fait peur. Guerrier, je sais pas si Scarf, parce qu'il est Scarf, dépasse le méga Locpin qui a 100 et quelques, 140 de vitesse au moins. C'est chaud quoi. Je crois pas. Hein. Faudrait qu'il y ait 100 de base stats, c'est ce qui est pas possible. Putain, mais. Et les mégas quand même sont assez pétés. Hein. Il y a des mégas qui sont assez pétés. Donc il commence avec le pire que je pensais. Avec Gardevoir. Maintenant, est-ce que c'est le méga? Je ne sais pas. Normalement, lévitation, ça c'est plutôt chiant, mais bon, j'ai pas d'attaque seule, vraiment. Je suis plus lent normalement, donc on va tout simplement changer d'éclair.
Donc c'est le méga Gardevoir. Ok, il a choisi pour le méga Gardevoir et donc pas le méga Lockpin. Voilà, donc c'était un des deux. C'est vrai que ça pouvait être un des deux. Parce qu'il a les 3 méga évolutions possibles. Oh putain, je suis plus. Ça par contre, je ne l'attendais pas. Coup critique, ça fait plaisir. Alors, mec, un Gardevoir qui est plus lent. Bon, là, je suis obligé de mettre Arcanin. Au cas où il fait. Je sais pas ce qu'il pourrait faire. Une attaque fée, peut-être. Ce serait pas mal fait. Une attaque fée, je dirais pas non. Mégaphone, c'est fait. Ah non, c'est pas fait. Oui, c'est fait, c'est fait. Il y a là le truc qui fait que ça. Voilà. Maintenant, il avait l'Héliator. Peut-être l'Héliator, c'est le normal. Hein. Normalement, je. Je résiste à n'importe quelle autre attaque, même une attaque psy. Peut-être choc psy, ça risque de me faire très très mal. Et vu qu'avec les dégâts de recul, ouais, je risquerais de perdre mon arcane. Soit il switch sur Kasha-Croc, il se dit Kasha-Croc c'est bon. Mais Kasha-Croc il risque de prendre quand même un petit peu cher, à moins que ce soit le défensif. Il y a plein de choses qui sont possibles, après c'est en rank, donc les gens ils jouent de manière un peu plus simpliste. Il n'y a pas la team qui construit autour, on va dire, entre guillemets, enfin c'est une team exprès pour le ranked. C'est-à-dire que c'est des Pokémon qui frappent fort, pas forcément qui restent sur le terrain. Donc c'est différent, l'approche est différente et du coup, c'est pour ça qu'ici, le Gardevoir, je comprends pas comment il a été plus lent que mon Motisma. D'accord, donc il pense que c'est un défensif. Y'a pas de soucis, tant mieux pour moi. Donc là, il va ramasser. Normalement, il crève même, et s'il crève pas, j'ai vitesse extrême. Voilà, il crève. Voilà, en fait, il voulait être sûr que si lui crevait, il pouvait, derrière, être tranquille parce que je ferais pas Aurore. Je pense que c'est ça qu'il s'est dit. Mais bon, il perd quand même un Gardevoir. Peut-être qu'il peut rien faire Gardevoir. Hein. Alors. Écoutez, Motisma il est tout frais. On va revenir sur Motisma. Parce que là, c'est un peu obvious que je fasse ça parce qu'il a vu Motisma, donc il va forcément pas faire une attaque sol, il va faire une attaque dragon. Ou alors il va se booster avec Sword Dance. Ouais, une attaque dragon. Oh là là, ça fait mal. Ouais, là c'est plutôt chiant. J'aimerais bien que je sois plus rapide, mais bon, je pense pas. Colère. Voilà, vous voyez, il joue, je pense, Choice Bonder, hein, vu les dégâts. Et là, faudrait qu'il soit confus, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Il est pas confus. Très bien. J'ai pas d'attaque dragon avec mon Junko, donc je peux rien faire. Enfin, est-ce qu'à moins 1 il me tue, mais je pense, hein. Il me déboîte. Il me déboîte. Bon, on va voir s'il me déboîte ou pas. Allez, moins 1. Je suis quand même une centaine de PV, s'il te plaît. Allez. Il me tue. Bon, là c'est compliqué parce que maintenant il est confus. Est-ce qu'il a une B ou un truc comme ça? Non. Et là, moi j'ai rien, enfin j'ai rien, j'ai pas d'attaque dragon. Bon, ça il le sait pas, mais j'ai pas d'attaque dragon. Est-ce que j'anticipe un switch? Est-ce qu'il veut switch? Allez, j'anticipe un switch. Bon, de toute façon, j'ai cliqué, ouais. Je me dis que lui, il a rien à perdre de switcher. Il peut se dire, je. Ah mince, il reste. Je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il pouvait switcher, puis là, à tous les coups, regardez. Bon, normalement je suis plus rapide, donc je peux poser mon clone. Voilà. Faudrait qu'il soit confus, ça serait pas mal. Vas-y, sois confus s'il te plaît, ça serait cool. C'est cool. Très bien. Bon, ça va, ça avait plus peur que de mal. Donc là, on est bien. Là, on est plutôt bien, donc là, on peut se permettre de faire, parce que j'ai pas d'attaque dragon. Un giga sensu qui est neutre, mais qui pourrait faire, je pense, des dégâts sur deux coups. Je pense à ce niveau-là le Doko. Donc là il switch. C'est normal, il y a ça qui m'en peur. Et là c'est lui qui sort. Et là. Là il a pris 3 bons Pokémon. Je pensais pas qu'il allait prendre Fulguris. Bon il va faire un PC. Ah PC glace. Ah non c'est la merde par contre. J'ai plus de PC feu moi. Mais ça risque pas assez fort.
Ouais, ça risque d'être pas assez fort, puis en plus... Ah non, c'est pas PC Feu. C'est PC Glace. Oh. Oh, je suis un génie. Je joue à Pokémon sans savoir ma PC. Oh, ça c'est beau, ça. Ah, mais par contre, ça risque d'être pas suffisant. Attends. Bon, on va faire donc puissance cachée glace, donc c'est pas de glace. Alors contre les piaf, voilà. Ah non, c'est clair, non, c'est évident, c'est évident. Bon, PC Feu aussi aurait pu être jouable. Hein. Dans le sens pour les incis d'Ayox, un truc comme ça. Mais bon, c'est Ayox, du coup, il est plus passif, donc Expo Force peut faire des dégâts. Ça se tient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il a que colère? Parce que là, je le tue pas. Hein. Mais s'il a que colère, on peut se permettre de faire un truc. Bon, on va voir. S'il a Dracogriff, il a gagné. Et s'il a pas Dracogriff. Parce qu'il dit, on fait séisme. Et la double bave. Oh le gars! Aucune race! Oh mon foiré. Oh! Bien joué! Heureusement, bien joué. Ah, double fable. Ah, je m'attendais pas à ça. De toute façon, j'étais mort. Hein. Parce que là, si je faisais Giga Sensu, j'aurais fait quoi? Midlife. Et lui m'aurait fait une double baffe, ça m'aurait pas tué, puis la deuxième, ça m'aurait tué. Bien joué à toi, japonais, encore une fois. Ce fut un plaisir de jouer. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc on a fait deux matchs. On fait deux matchs, c'est pas mal. Hein. Enfin, de toute façon, on va essayer de jouer les autres Pokémon aussi. Parce que là, bon, j'ai essayé de viser la simplicité. Mais donc, allez, on se retrouve pour d'autres matchs, y a pas de soucis. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Pyrux en jeu de pizza. Portez-vous bien, n'hésitez pas dans les commentaires à écrire les Pokémon que vous voulez que j'utilise pour les prochaines fois peut-être. Donc là, je ferai un peu une petite mini-série avec ces Pokémon Live, après on changera de team, etc. Vous inquiétez pas, ça sera pas toujours la même. Voilà, c'est bon, stressez pas. À la prochaine, ciao ciao.